Ils ont été déçus. Il y a quelques mois, Carla Moreau a été au cœur d'une énorme polémique à la suite de révélations concernant de la sorcellerie. La jeune femme a été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et elle était bien entourée puisque Kevin Gage était très présent pour elle. Le couple fait partie des candidats emblématiques de la télé-réalité des Marseillais, alors qu'ils espéraient pouvoir compter sur le soutien de leurs amis, cela n'a pas été le cas. Dans les colonnes de Public ce vendredi 12 novembre, tous deux ont fait des confidences. On a été très déçus. On croyait avoir des amis dans cette émission mais quand il y a eu de vraies difficultés, tout le monde nous a tourné le dos, a d'abord déploré Carla Moreau. De son côté, Kevin Gage a été moins tendre. On n'a tué personne, on n'a violé personne. Si on avait commis ce genre de crime, j'aurais compris qu'ils prennent leur téléphone pour s'indigner mais là. Ils ont poussé au harcèlement de Carla sur les réseaux sociaux, a affirmé le jeune homme. Par la suite, il a indiqué que cette histoire aurait pu se régler autour d'une table. On aurait pu en discuter ensemble, régler les choses sans que ça n'aille si loin. Ils ont tous fait pire dans leur vie, a-t-il conclu. Il n'y revenait pas. Lorsque cette affaire de sorcellerie a été dévoilée au public, les révélations se sont enchaînées et certaines candidates n'ont pas été tendres. En effet, elles avaient accusé Carla Moreau d'être à l'origine des problèmes de santé de leurs enfants. Quand j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Ça m'a semblé complètement ridicule, a d'abord confié Kevin Gage. Après, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Une chose est sûre, si ça m'était arrivé, je n'aurais jamais fait un snap, a-t-il poursuivi. De cette histoire, le candidat n'est ne tire que du positif, ça nous a permis de faire le tri, de nous retrouver. Cette épreuve nous a soudés. Notre couple est plus fort que jamais, a-t-il assuré. De son côté, Carla Moreau a précisé que les relations avec les Marseillais s'étaient détériorées au fil des années. À chaque fois, je me retrouvais au cœur de plein d'histoires, avec Manon, Jessica et d'autres. Une situation qui, selon Kevin Gage, était voulu de leur part, ils attendaient quelque chose de croustillant depuis longtemps. Avec cette histoire de sorcellerie, ils tenaient un truc. Certains se sont laissés prendre par les autres mais le mal est fait, a conclu le jeune homme, visiblement très remonté. Carla Moreau et Kevin Gage, pourquoi ont-ils lancé leur propre programme ? Le 3 novembre dernier, Kevin Gage et Carla Moreau ont annoncé officiellement le lancement de leur émission, baptisée La Mif. La production des Marseillais voulait qu'on revienne dans une nouvelle saison, forcément ça aurait fait des sacrées histoires mais ce qui s'est passé, nous a beaucoup affectés et on a compris qu'il était temps de nous lancer dans un nouveau chapitre, on ne voulait pas arrêter la télé pour autant, a confié Carla dans les colonnes de Public. De son côté, Kevin Gage a affirmé, et puis ça leur aurait fait trop plaisir. Parce qu'à fond, en scène prenant à nous comme ça. Si est-il ce qu'il voulait, qu'on arrête tout, qu'on disparaisse. Certains sont allés jusqu'à dire qu'ils quittent l'émission si on revenait, a-t-il conclu. Si est-il loin de toutes ces histoires que le couple poursuit son chemin. Loading DJ.